What's up people, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Florida Life. Welcome à toutes les nouvelles personnes, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à partager encore une fois ma chaîne autour de vous. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, mais surtout sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Voilà. Alors, je vous retrouve dans le Brightline, c'est un tout nouveau train qui fait Miami, West Palm Beach, Miami, Fort Lauderdale, Miami, bientôt jusqu'à Orlando, dans l'autre sens aussi. Si vous avez la flemme de prendre la voiture et que vous voulez prendre le train, franchement, je vous conseille le Brightline si vous venez en tant que touriste. C'est vraiment sécurisé, c'est hyper sympa. T'as l'impression que tu vas dans un avion en vrai. Il y a le service, ça sent bon, c'est tout neuf. Je kiffe. C'est mon week-end de 3 jours puisque lundi c'est le Labor Day, donc c'est férié aux États-Unis. Du coup, je vais vous filmer tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y aura au programme parce qu'ils annoncent un temps pas trop sympathique. Mais bon, on verra ça. Je vais rejoindre Kim. On est à Miami les gars. J'espère que ça va vous plaire et let's go. Hey Kim. Hello. Hello. How are you today? I'm really fine. Ça va? Tu vas bien? Ok. Tu vas nous emmener où aujourd'hui? Where are we going today? We are going to Marion. Marion? Yeah! De petits week-ends d'aventure, voilà. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller à Ross, right? On va aller à Ross parce qu'elle a besoin de s'acheter des talons. Des talons. We say in French, it's talons. You know, heels. Et ce soir, on va à un event, je crois, dans un resto qui s'appelle Marion de Miami. Je sais pas si je pourrais filmer, sinon je vous montrerai des snaps. Voilà, voilà le petit programme de ce vendredi soir. Et après, on verra la suite. Bisous! Center, un centre commercial, c'est hyper cool. Et du coup, il y a plein de magasins de luxe et tout, et on essaie de voir qu'est-ce qu'on va acheter parce que, genre, on a besoin de heels, comme on dit. Je sais pas si plus tard on va aller chez Marion ou pas, c'est pas encore sûr. On a trop faim là. Chez Marion, c'est un restaurant hyper cool, et après, il y a un event, donc je sais pas trop si on va attendre parce que c'est très tard. On verra. Voilà, donc à tout à l'heure. Kim, t'es en train de faire quoi? J'avais les yeux rouges et tout, même Kim, c'était la même chose. Genre, c'était horrible. C'était une longue semaine pour nous. Du coup, on est rentré un peu plus tôt, juste après le dîner, quoi. Pas aller à un event pour Kim. Et ensuite, je ne sais pas ce que nous.
Le temps est un peu mitigé. On nous annonce pluie, orage. J'ai vu un pour tout le week-end, un pour tout le Labor Day. C'est génial. Donc je vous retrouve très vite. Nous sommes sur l'autoroute et nous nous dirigeons vers Doral. Je crois que c'est un quartier de Miami. Enfin, non, c'est même pas, c'est une ville en fait. C'est une ville, mais hyper loin. C'est parti, les gars. Regardez sa tenue. Ah, il faudrait que je vous trouve sa tenue. Et ma tenue également. À tout à l'heure. On arrive à Target. I really want to see the sunset. Moi. Ça va très très bien. Très très bien. You see, she's speaking French.